Les 12 syndicats étaient réunis pour la première fois depuis 12 ans. Voilà ce qu'il est en train d'en sortir. On va savoir quelle est la décision sur les journées d'action possibles. Union ou pas union, grève ou pas grève, laquelle, comment, pour qui. On va écouter Philippe Martinez. Image fréquente. Laurent Berger. Philippe Martinez, Force Ouvrière, l'UNSA. M. Chabanier, CFTC. Tous, côte à côte. François Omari, les cadres. Face à la presse. Bon. Je vais faire lecture d'un communiqué intersyndical signé par la CFDT, la CGT, Force Ouvrière, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaire et la FSU. Alors attends, je vais faire comme ça. La Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, avec une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités femmes-hommes. Le système de retraite par répartition n'est pas en danger. Rien ne justifie une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n'ont eu de cesse, pendant la concertation avec le gouvernement, de proposer d'autres solutions de financement, à commencer par l'amélioration de l'emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiés sérieusement. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Parce qu'elle représente l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et demandeuses d'emploi et retraités, c'est cette date syndicale qui donne le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée. Elle décide d'ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organisations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d'autres initiatives. Les organisations syndicales appelle les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale. Je vous remercie. Nous vous proposons maintenant collectivement que chacun et chacune d'entre nous, ici, les responsables des organisations syndicales, les 8 organisations syndicales signataires, puissent répondre à vos questions, peut-être pas dans ce format-là, mais plutôt par petit îlot, tel que vous le souhaitez. Je vous remercie. Merci. On a décidé de réagir ensemble. On s'y est préparé. C'est un secret pour personne. On n'a pas sorti ce communiqué dans la dernière minute. On y a travaillé aujourd'hui. Et voilà, on a donc cet appel à la mobilisation. Moi, je veux insister sur un point, non pas le jeu des acteurs. Je veux insister sur, pour contrer cette réforme qui est injuste pour les travailleurs et les travailleuses, je les appelle, avec l'ensemble des organisations syndicales, à se mobiliser le 19 janvier prochain partout en France. Est-ce que vous avez une journée de syndicale aussi importante avec autant d'acteurs? Cette journée du 19 janvier, pour nous, elle est le démarrage d'une mobilisation pour que cette réforme n'entre pas en vigueur, pour que le gouvernement recule. Je suis extrêmement clair. Il y a eu une concertation. Il y a eu, je crois, des points que nous avons pu faire, que nous avons pu pousser. Mais cette réforme, elle part d'un préconçu par le gouvernement, par le président de la République, qu'il fallait reculer l'âge légal de départ en retraite. Nous y sommes tous et toutes opposés. Et bien, dans ce cas, on a appelé ensemble à se mobiliser le 19 janvier. Il y aura c'est une grève générale le 19 janvier. La CFDT, non? Non, la CFDT, elle appelle souvent, quand il y a des manifestations, à des débrayages, chez la grève. Tout le monde le sait, ça prend des formes diverses selon le type d'entreprise, le type des secteurs professionnels, les tailles des entreprises. Et donc, voilà, on appelle ensemble le 19. Et
c'est le début, comme le dit le communiqué, d'une mobilisation. Et on verra le 19 au soir en se réunissant, ce qui sera la suite des mobilisations. Est-ce que c'est une grève générale, le 19 au soir? Non, c'est un appel à la mobilisation partout en France, comme vous avez pu le voir, avec des débrayages pour pouvoir aller manifester. Et après, les secteurs professionnels, y compris, s'organiseront. C'est un front syndical, nous dit depuis 12 ans. C'est effectivement un front syndical, tout simplement, parce que cette réforme, alors que l'équilibre du régime des retraites n'est pas menacée dans une telle mesure qu'elle était en 2003, en 2010 ou en 2014. C'est une des réformes les plus brutales des 30 dernières années sur la question des retraites. Et donc, on a décidé de se mobiliser. Mais comme vient de dire madame, c'est vrai que c'est rare de vous voir à côté de la CGT, la CGT à côté de la CFDT. Ben parce que vous ne nous suivez pas assez, mais ça fait régulièrement, on travaille ensemble. L'idée était quand même d'aller vite. Cette date, elle intervient rapidement. Il fallait frapper vite et fort. Et je crois que c'était important que les organisations syndicales donnent le là d'une mobilisation contre la réforme des retraites. C'est ce que nous avons décidé de faire en actant cette date du 19 janvier. C'est la semaine prochaine. On va construire d'ici là, chacun dans chacune de nos organisations, les conditions d'une mobilisation. Et on verra, on fera le point le 19 au soir. Merci. Cette réforme, elle propose un report de l'âge légal de départ en retraite. C'est la mesure la plus injuste et la plus redistributive qui soit. Et il est normal que les organisations réagissent. On a toujours dit qu'on était opposé à cette réforme. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, en appelant à cette date du 19 janvier, où on appelle à des manifestations pour que les travailleurs puissent faire entendre leur mécontentement. Vous savez, j'étais ce matin avec des travailleurs du commerce, des travailleurs de la santé, des travailleurs de la propreté et bien d'autres secteurs encore. C'est unanime. Ils ressentent ça durement comme une obligation de travailler plus longtemps. C'est le cas, malheureusement. Et avec la fatigue qui est la leur, la pénibilité, les pénibilités qui sont la leur, eh bien, ça leur paraît inacceptable. Et bien, puisque ça paraît inacceptable aux travailleurs à juste titre, nous, on les appelle à se mobiliser. Vous venez d'arriver, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est parce que vous ouvrez pas les yeux. Pas en tant que secrétaire général de la CGT, mais en tant que militant de la CGT, j'en ai déjà vu. C'était quoi la dernière fois, à ce point-là ? C'était en 2010. Ça fait 12 ans. C'est pas inédit puisque ça fait 12 ans, mais c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la première ministre pour ceux qui étaient à Matignon ce jour-là. Et c'est là où quand les ministres disent et le président de la République, il y a du dialogue, on écoute, etc. Quand on a toutes les organisations syndicales de salariés, mais aussi de jeunesse, qui sont contre une telle mesure, ça doit faire réfléchir normalement. Pour un gouvernement, j'allais dire, normalement constitué. Monsieur Martin. Comme ça, vous leur demanderez à eux. Qu'est-ce qui va se passer concrètement le 19 janvier? Il n'y aura plus de train, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, je pense que justement le fait que toutes les organisations syndicales soient d'accord pour dire on ne veut pas de cette réforme, ça permet des intersyndicales dans les entreprises, dans les professions, dans les établissements, et il y a déjà des contacts qui ont été qui ont commencé. Il y a eu d'ailleurs déjà des rassemblements aujourd'hui dans certaines villes de France, je pense à Perpignan, à Toulouse, à l'annonce de ce projet de loi. Et donc il y aura, oui, c'est les salariés qui décident à chaque fois, vous le savez. Vous souhaitez qu'il y ait des... On souhaite qu'il y ait le maximum de salariés en grève ce jour-là et pour ceux qui le décideront les jours suivants. Et c'est le début d'une mobilisation par la suite ? Je vous dis, ça dépend du gouvernement. Si le gouvernement écoute et prend en compte ce que disent l'ensemble des organisations syndicales, on retire le projet et... Et tant que ça sera porté en compte, la mobilisation... Nous sommes déterminés à ce que ce projet de loi ne passe pas et ça ne se passera pas qu'à l'Assemblée. Quel était votre dernier contact avec le Premier ministre ou le Président sur les retraites? Qui était à la sortie de Matignon pour me rappeler? La semaine dernière. Merci, il y en a une qui suit. Merci, voilà. L'idée, c'était de frapper vite et fort. L'idée, c'était vous voyez, on a, entre guillemets, je vous mets bien des guillemets, on a participé aux concertations, puisqu'on nous avait dit, le Président de la République a dit, j'ai changé, j'ai écouté, hein. Donc on a fait des propositions, on a exposé un certain nombre de points de vue sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité. Ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien changé de ce qu'ils avaient décidé, hormis, mais ça ne nous regarde pas, comme disait l'autre, des échanges qu'il y a pu y avoir, mais dans un cadre politique, si j'ai bien compris. Et vous, quelles sont vos propositions ? Propositions de la CGT, elles sont simples. Elles étaient simples au départ. Premièrement, on dit il n'y a pas de problème de financement. 3%,
c'est ça, hein, 10 milliards, 12 sur plus de 300, c'est 3% de déficit. Vous vérifierez avec vos services économiques, la majorité des entreprises privées ont un taux d'endettement largement supérieur à ça. Et ça pose pas de problème à personne. Donc on a dit, on a le temps de réfléchir. Quelles sont les problématiques ? Emploi des seniors. Eh bien, traitons l'emploi des seniors. C'est pas un index, un truc comme ça là, qui va faire peur au patronat qui, tous les ans, licencie des centaines, des milliers de salariés qui ont plus de 57, plus 58 ans. J'ai d'ailleurs cité mon exemple dans mon entreprise à la Première ministre. Je lui ai donné la situation de chez Renault, preuve à l'appui, donc elle pouvait pas nier mon cas personnel. Voilà. Donc on a dit, faisons en sorte que ces seniors, entre guillemets, restent en emploi jusqu'à l'âge légal. Nous, on propose 60 ans. Et puis, vous verrez que les cotisations vont rentrer. Et puis, ça fera des chômeurs en moins. C'est un exemple. On peut regarder le financement. Le système de retraite, c'est la solidarité. Les milliardaires ne sont pas taxés au même niveau que les travailleurs et les travailleuses. On vient d'annoncer un record de dividendes distribués aux actionnaires. 82 milliards. Eh bien, on pourrait avoir pas autant de cotisations que pour un travailleur, mais il suffit d'avoir un certain niveau de prélèvement, de cotisation sur les dividendes versés aux actionnaires, et on finance. Et je ne vais pas toutes vous... Mais il y a l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est plusieurs milliards, presque 6. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée 19? Je vous l'ai dit, du monde dans les manifestations, du monde en grève, et puis... des salariés qui discutent entre eux dans leurs entreprises et qui définissent ensemble comment on poursuit le mouvement. Vous l'avez noté, pour nous, le 19, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Le rapport de force a commencé. Je crois qu'il est bien engagé, là. Merci. Merci. Cette intersyndicale, vous l'avez constaté, est assez inédite depuis 12 ans. Ça montre l'ampleur du mécontentement des organisations syndicales et des salariés qu'elle représente. Oui, nous sommes déterminés à mobiliser et à faire plier le gouvernement face à une réforme injuste. Et quand on regarde les sondages d'opinion, on voit que l'opinion est largement défavorable au recul de l'âge de la retraite. Et ce que j'ai noté, c'est que c'est notamment dans la jeunesse. Le fait que toutes les organisations syndicales soient d'accord pour dire on ne veut pas de cette réforme, ça permet... Des intersyndicales dans les entreprises, dans les professions, dans les établissements, et il y a déjà des contacts qui ont été qui ont commencé. Il y a eu d'ailleurs déjà des rassemblements aujourd'hui dans certaines villes de France. Je pense à Perpignan, à Toulouse, à l'annonce de ce projet de loi. Et donc il y aura, oui, c'est les salariés qui décident à chaque fois, vous savez. On souhaite qu'il y ait le maximum de salariés en grève ce jour-là, et pour ceux qui le décideront, les jours suivants. Nous sommes déterminés à ce que ce projet de loi ne passe pas, et ça ne se passera pas qu'à l'Assemblée. Il y a des gens, ils auront 2 ans de moins pour profiter de leur retraite, profiter de leurs enfants, profiter de leurs petits-enfants. C'est pour ça qu'il y a une telle sensibilité dans l'opinion publique, c'est pour ça qu'elle est aussi massivement rejetée. Et donc il y a la construction d'un mouvement social, c'est ce qu'on fait ce soir, mais il y aura aussi sans doute des actions, je le répète tous les jours, dans les entreprises, les administrations, devant les écoles, les hôpitaux. Et j'invite tout le monde à manifester son mécontentement en mettant y compris simplement des affiches sur leur voiture, sur leur administration, pour dire on ne veut pas de cette réforme qui est inutile et injuste. Ça tient pas, il n'y a pas urgence pour l'équilibre financier et il n'y a pas péril en la demeure. Il est question de 10-12 milliards, même en intégrant les mesures favorables qui essayent de faire une petite contrepartie. Nous, on a d'autres systèmes pour financer ces mesures-là. Et ça ne fait que 3% de la masse qui est consacrée aux retraites. Franchement, si Bruno Le Maire avait un déficit public de 3%, il serait content. Donc on ne peut pas dire d'un côté, vite, qu'on ait 3% de déficit parce qu'on est au-dessus pour les comptes publics, et oh là là, il y a péril en la demeure pour les retraites parce qu'on serait à 3% de déficit. Donc il y a non seulement pas un gros déficit, mais en plus d'autres méthodes pour le régler, plutôt que de faire cette mesure régressive qui va et qui est punitive pour les gens qui travaillent aujourd'hui. En fait, je suis désolé, j'ai un arrivé. C'est plutôt bon signe pour la suite, parce que...
que ce soit le point de départ d'une mobilisation qui fasse changer le gouvernement, qu'il fasse reculer, qu'il entende enfin les arguments qui lui permettent de faire autrement pour l'équilibre financier, même s'il n'y a pas urgence, parce qu'on a d'autres mesures à proposer, et pour éviter qu'il y ait un embrasement social qui sera néfaste à la fois pour la cohésion du pays et qui sera néfaste aussi pour les performances économiques de notre pays. Donc leur mesure, elle est agressive, inutile, injuste, et en plus, elle va être mauvaise pour l'économie. Il y a eu des concertations, vous n'avez pas été entendu. Il y a des choses qui ont bougé, mais trop peu, pas assez loin. Et aujourd'hui, on a la réponse. La réponse, c'est le gouvernement, le président de la République peut-être, a décidé d'affronter les salariés, d'affronter la majorité des Français qui sont, qui l'avaient dit avant même les déclarations d'aujourd'hui, contre cette réforme parce qu'ils ne la trouvent pas ni juste ni utile. Vous, qu'est-ce que vous proposiez justement ? On proposait que, pour l'équilibre financier, on proposait qu'il y ait 10 points de plus d'activité chez les seniors. Ça suffirait à régler le problème des financements. On proposait qu'il puisse y avoir progressivement une petite hausse des cotisations, et notamment patronales. Et il est question chaque année de 2 ou 3 euros pour arriver à 10, 15 euros au bout de 5 ans. Ça suffisait aussi. On proposait que les salaires des femmes soient à l'égal de celles des hommes dans ce pays, parce que ça fait des cotisations et du coup ça fait des rentrées pour les caisses de retraite. On proposait que certaines cotisations sociales dont les entreprises bénéficient d'allègements ou de dégrèvements, on les revoit, parce que quand on enlève des cotisations sur les salaires, eh bien ça manque à la caisse de protection sociale. Et donc d'un côté on fait les poches de la protection sociale, et de l'autre on demande aux salariés de travailler 2 ans de plus. C'est pour ça qu'il y aura sans doute de la détermination, peut-être un peu de colère. Et j'espère que la mobilisation qui devra rester digne, qui devra rester classique d'une certaine façon, mais sera profonde et permettra de faire changer de point de vue le gouvernement. Est-ce que vous, la ligne rouge, c'était ce recul de l'âge légal à 64 ans plus l'accélération ? Les deux, l'accélération du Touraine ou les 2 ans d'allongement de la durée légale de cotisation, le recul à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, c'est doublement punitif. Et je le redis, c'est quelque chose qui est dans les familles, dans les personnes qui travaillent. Il y a certaines personnes qui arrivent cassées à la retraite, d'autres qui ont envie de profiter de leur retraite. C'est bien normal. Parfois, on compare avec les pays européens en disant « Mais regardez, ailleurs, ils travaillent plus. » Oui, mais en France, on a un SMIC qui est souvent bien plus élevé que dans d'autres pays européens. J'espère que le ministère du Travail ne va pas finir par dire « Pour faire comme les autres, on va baisser le SMIC de 300 ou 400 euros. » Donc les arguments avec les comparatifs européens, ils tiennent pas la route. En revanche, les gens ont envie de profiter de leur retraite. Ils ont envie de profiter de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leur vie après le travail. Déjà, travailler 43 ans, c'est très long. Alors si en plus, à partir de 62 ans, on ne peut pas partir quand on veut, mais on est obligé de partir à 64 ou plus, eh bien c'est injuste et ça touchera beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Mais tant que le gouvernement ne fera pas marche arrière sur ça, la mobilisation continuera, c'est le début C'est le début d'une mobilisation qui, je le pense, va être ramassée dans le temps, profonde, assez intense. Et je vous le dis, en dehors des manifestations, il y en a une le 19, c'est celle qu'on a annoncée ce soir, des grèves. Il y aura sans doute des rassemblements. Peut-être que les députés de la majorité seront interpellés par des citoyens pour leur demander des comptes. Peut-être qu'il y aura des personnes qui mettront des affiches devant leur entreprise, administration, école, hôpitaux, pour montrer visuellement à cette majorité qu'elle fait fausse route et qu'il faut qu'elle revienne en arrière.